Séparez-vous de l'esprit Bamleke là. Hein? Si tu es Bamleke, convertis-toi en vrai et sépare-toi de l'esprit Bamleke là. Seigneur, ça c'est quoi ça encore? Voilà quelqu'un qui prône un tribalisme à ciel ouvert. Je te dis, mais ce gars c'est qui même? Atangana Caleb. Quoi, Atangana, c'est une malédiction pour le Cameroun? Moi, je suis une malédiction pour le Cameroun. Toi-même tu vois comment? Regarde les propos que tu tiens. Ce n'est pas une injure, c'est la vérité. Hein. Caleb, tu te rends compte que tes propos sont tribalistes? La délivrance n'a rien à voir avec le tribalisme. Caleb, je vous dis la pure vérité. Caleb, je t'ai appelé combien de fois? Pasteur Kamdem, attendez d'abord. Toi, tu parles de délivrance là. Ton problème avec l'esprit Bamileke que tu dis là, c'est quoi? Parce que c'est un esprit complexe Le gars, il a fréquenté. Atangana, tu as fréquenté. Ça, c'est un villageois. 9 mois de souffrance dans mon ventre. Pour devenir ça. Je te dis que. Chers parents, mettez les préservatifs de temps en temps pour ne pas accoucher de ce genre de personnes. Non, mais c'est déjà de trop avec le tribalisme dans ce pays. Le Cameroun est devenu comment derrière moi? Le Cameroun est en train de partir dans une destination que moi-même je ne maîtrise pas. Il y a beaucoup de tribalisme. Les Camerounais ne s'aiment pas entre eux. Les Camerounais s'aiment entre eux. Je suis Valérie, parce qu'on a plus cette impression-là. Si les Camerounais ne s'aimaient pas, ils n'allaient pas s'assumer pour supporter les lions à la canne. Ça, c'est pas faux, hein. Ils savaient combien les jeunes là qui ont fait poupoumé à la canne, là. Ah, ils étaient nombreux, hein. Les Zambosaki, ça. Valérie, les qui? Zambosaki, ça, qui, ça? Les Toko Brian. Bref. Donc, pourtant, il n'y a pas de tribalisme au Cameroun, alors, Valérie? Il n'existe pas de tribalisme. Ne parlez pas ce que vous ne connaissez pas. Le tribalisme est verbal et circonstanciel. Ça reste du tribalisme, parce que quand tu as des gens qui tiennent ce genre de propos... Quand on dit que le Bamleke est bête. Ou encore... Si on vous laissez votre village là, à côté de Yaoundé, au Béti, c'est que c'est encore la forêt. Longue, est-ce que ça a l'air bien ce que tu dis? Quand je regarde cette vidéo, moi-même, je me demande si c'est moi. Amekame, est-ce que les propos que tu tiens là sont bien? Ça, c'est être tribaliste. Mais tu ne connais pas mon nom? On m'appelle Amekame le tribaliste. Hein? Si les Bamleke ne veulent pas que moi et les coches, ils n'ont qu'à quitter le Cameroun. Hey! Vous voyez donc que le tribalisme verbal et circonstanciel que vous dites là reste du tribalisme et est très dangereux. Ce qu'ils font là, c'est le cinéma. Aïe, comment ça? Tous les gars qui veulent m'ignorer, ils sont tous Bamleke. C'est pas vrai! La preuve, votre frère Guy Watson, il me pleure tous les jours, il veut revenir. Malgré que tu avais dit que. Il est nul au lit, moi-même, je vous dis. Ça, il est nul à ch. Je dément ce que j'avais dit qu'il est nul au lit. C'est parce que j'étais fâché. Mais si c'est pas parce qu'il est faible au lit, pourquoi vous n'êtes plus ensemble alors? Il a été dupé par sa communauté. Oh, tu fais quoi avec la fille Betty? Tu vois donc ce que je disais. Vous n'avez pas encore mesuré la dangerosité du tribalisme. En vrai, les parents sont derrière tout ça. C'est vrai ça? Parce que je suis pas sûr qu'un enfant naît avec la pensée de que je peux pas épouser un boulot. Un Bamleke. Vous les parents, à cause de vos intérêts stupides et personnels, vous voulez nous diviser. Ça c'est pas déjà normal. Vous avez grandi dans le tribalisme. Et vous êtes en train de transmettre cela à la génération future. Ça c'est clair. Moi-même j'étais victime de mon pauvre nom. Ah bon? Lorsque je me suis rendu à l'aéroport. Raconte-nous. On m'a perdu du temps, j'ai failli rater mon vol. Parce que je portais un nom Bamleke. Quoi? Le pays. Et l'un quoi aussi, on était aussi victime de le nom. Ah bon? Ils sont allés chercher le travail. Dans des entreprises de Bamileke, on a refusé de les engager parce qu'ils s'appellent Antangana. Ouais. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que ça ne doit pas nous questionner? Point d'interrogation. Nous sommes tous des tribalistes au départ. Tous les Camerounais. Moi, c'est... Jouanda Gramba, comment il peut dire que tous les Camerounais sont tribalistes? Je sais que quoi? C'est tout à fait normal. Pourquoi vous ne voulez pas l'accepter? Va en brousse avec ça. Oh, du calme. Mais le père, si tous les Camerounais étaient tribalistes, c'est ça qu'on n'aurait pas de couple mixte et d'enfants issus de ces couples-là. 67% du Cameroun est métissé. Hey! Tout ça. Mes deux premiers enfants que j'ai eu avec une Camerounaise sont Betty. Enfin, avec une femme Betty. Les Bamileke, les Betty, vous êtes les champions au Cameroun pour vivre ensemble. En vrai, il faudrait donc que les gens arrêtent avec ces haines tribales inutiles et sans fondement. Au lieu de défendre nos intérêts, on est en train de se taper dessus en termes de tribus, en termes de ceci. Et ça me fait peur. Comment ça? Parce que le Cameroun peut devenir comme le Rwanda. Ça a commencé comme ça ailleurs. Et ça a détruit le pays. Sérieusement? Quel est ce génocide qu'on va amener au Cameroun? C'est de tout ça. Le Cameroun n'a pas besoin de ça. N'acceptez pas que notre pays soit détruit. Chères autorités, je vous regarde. Mais je crois qu'il y a une loi contre le tribalisme, non? C'est dans l'article 241. Ouais, il faut nous lire ça. Est puni d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende de 300 000 à 3 millions de francs, celui qui, par quelques moyens, tient des discours de haine contre des personnes en raison de leur appartenance tribale
ou ethnique. Voilà, tu sais maintenant ce qui t'attend lorsque tu vas encore inciter les gens aux violences tribales. Je n'ai jamais incité à la violence. Hey, ferme-moi ça. Apprends à fermer ta bouche. Ferme ta bouche. Un pasteur qui vient insulter l'esprit des Bamileke. Tu parles aussi. Donc t'es giflé, hein. Non, 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 le père, calme-toi. Bref, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion alors à propos du tribalisme? Le tribalisme, il faudrait bien qu'elle soit... Hey, tu n'as rien à réfléchir dans ta tête. Une autre personne. Que tu sois du nord, du sud, de l'est à l'ouest, du centre. Ouais, on est les Camerounais, unis et une. Unis et quoi? Unis et une. Hey! Hey! Non, mais plus sérieusement, on dit quoi? Je pense que les Africains, comme dans ce pays, comme dans d'autres, doivent se débarrasser de ces particularismes géographiques, régionaux. Nous avons une richesse culturelle au Cameroun. Une richesse dont le Cameroun doit être fier. Voilà! Quand nous aurons tous ensemble compris ça, on va faire un grand pas pour notre pays, pour nos enfants. Voilà, c'est ça. Je voudrais demander maintenant la permission. Ne t'inquiète pas, le père, il est là. Pasteur, donne-nous la bénédiction finale, on part. Matando Kumbrakou Zegle Dadoudo. Non, 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 pas cette bénédiction-là. Pasteur. Oui. Donne-nous la vraie bénédiction finale, on part. Dominus Vobiscus. Semprenta Zoro Bolambalande de Miria. Amen. Et ensemble, disons stop au tribalisme. Comment le tribalisme a pu nous séparer? Notre bilinguisme a pu nous éloigner. Toi et moi, on était déjà plus qu'une famille. Jolie princesse, c'était ainsi que tu appelais ma fille.